Ouais, donc moi j'étais un ancien stagiaire EV et maintenant je travaille en tant que chef de projet, donc en cas de stagiaire. Ça fait toujours plaisir de voir qu'à EV on peut participer comme ça à des tournois, qu'on intègre très bien les stagiaires sur des événements dans l'entreprise. Ça leur permet aussi de pouvoir voir tous les projets qui tournent autour, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de voir au quotidien, comme la direction générale ou eux qui participent à ce tournoi. Et je trouve ça super intéressant de pouvoir être tous ensemble pour un petit moment de convivialité de temps en temps et de pouvoir discuter autour d'un bon baby foot. C'est super sympathique parce que ça permet de se défouler un peu après le travail. Donc j'avais une super équipe, donc j'ai eu l'occasion de mieux découvrir mon chef de projet et aussi mes collègues avec qui je me suis donné à fond. Et en partant de rien, on a réussi à arriver en petite finale, ce qui est un très bel objectif avec la petite somme de 50 euros. Donc on va repartir content et satisfait après ce stage. Je suis en stage de fin d'études chez OB depuis déjà 4-5 mois. Je finis donc fin août et j'ai signé aujourd'hui mon CDI. Donc je fais un projet sur les objets connectés. Et donc du coup c'était donc un tournoi organisé avec la direction, donc ça s'est très bien passé, on a pu jouer avec eux. Et aussi donc les découvrir, donc faire leur connaissance, donc c'était vraiment très sympathique. J'ai eu l'occasion donc de jouer avec le directeur général d'OB, avec qui donc on a pu partager des bons moments. Et voilà, on a gagné enfin la finale. C'était vraiment très sympa. Déjà, on s'est calé sur l'Euro de football en France. Ça a été une occasion formidable pour rencontrer tous les stagiaires, mais pas seulement, aussi pour favoriser en fait les rencontres entre toute la direction au sens large et puis tous les stagiaires. Chez OB, on fait attention à bien intégrer les stagiaires au cours de leur parcours. Non seulement leur donner des projets extrêmement intéressants pour faire un bon footprint sur leur CV futur, mais on cherche aussi à vraiment les intégrer dans la vie d'entreprise. Ce n'est pas forcément simple, ils sont très jeunes, on a beaucoup de contraintes, nous, opérationnelles. Et donc, le baby-foot, comme d'autres déjeuners, c'est une occasion un peu pas rêvée pour vraiment créer de la cohésion, des rencontres. Et franchement, à titre personnel, c'est un moment extrêmement rafraîchissant, plein de bonheur pour moi, parce que je rencontre beaucoup de jeunes ingénieurs. Je l'étais il y a déjà très très longtemps en fait. Je me rappelle de cette période qui est assez compliquée quand même, parce qu'on cherche un peu, on ne sait pas bien ce qu'on veut faire. Mais voilà, ils sont chez nous, je crois qu'ils sont plutôt heureux, et ce genre d'événement, plutôt convivial, ça participe à la convivialité et vraiment la fédération des équipes autour d'un projet global et qui est l'accueil des stagiaires qui deviendront, j'espère pour la plupart, des salariés, des consultants de OB.